suis parti en avril 2011 sur la côte ouest du Groenland, à Maniitsoq plus précisément. L'idée de ce voyage, c'était d'une part d'aller faire de la rando dans les fjords de cette partie du Groenland. Et j'ai profité en fait de cette opportunité pour introduire le speed riding dans un terrain non connu, donc des zones de montagne que je ne connaissais pas, sur lesquelles j'avais peu de références cartographiques. L'idée, c'était de pouvoir déterminer des lignes d'ascension en ski de rando et puis des lignes à descendre en speed, donc une partie en ski, une partie en vol, et c'était de pouvoir s'adapter, d'être capable de s'adapter à la ligne au dernier moment sans reconnaissance préalable. Un peu un plongeon dans l'inconnu, quoi. Dans ce genre de pratique, il y a trois domaines en fait qui interviennent. Il y a le ski de rando, il y a l'alpinisme et il y a le speed riding. Donc pour chacune de ces trois activités, il va falloir le matériel adéquat, d'une part, et d'autre part, il va falloir les compétences techniques qui vont avec. C'est la somme de tes compétences qui va te permettre d'apporter une décision pertinente et adéquate. Donc tu vas chercher un petit peu au fond de toi-même, ça tire un petit peu de toi le meilleur. Le speed, c'est quelque chose qui est fluide, c'est quelque chose qui est rapide. On va gagner à la descente en esthétisme. Après, mon envie, c'est de retraverser les Alpes en imaginant un nouveau tracé, en fait, en ayant des nouvelles perspectives, de nouvelles lignes. Moi, ce que j'ai plus envie de faire, c'est traverser le cœur des Alpes, donc on va dire toute la partie où avec des sommets vraiment importants, avec des gros dénivelés, et puis essayer de trouver les lignes les plus esthétiques, et en mélangeant dans cette traversée de l'alpinisme, de la rando, et puis du ride en speed. Ouais. Tu descends, tu vas chercher là-bas au bout, et hop, tu jumps. On se retrouve dans les Alpes que l'on connaît, qui sont cartographiées et référencées, mais avec une possibilité toute nouvelle qui est de trouver des terrains sur lesquels, jusqu'à là, personne n'a mis les pieds. Et ça a une saveur dans les Alpes qui est quand même assez rare. Ça fait un gros projet que je trouve hyper intéressant. Moi, ça m'offre un nouveau terrain de jeu, en fait. Donc ça, c'est... ouais, je suis un peu comme un gamin devant un gâteau, là. Hein. C'est un petit peu ça, quoi. And here's the beach. Je pense que ce qui est important dans ce genre de projet, c'est l'histoire humaine qui s'écrit, quoi. Qui s'écrit à travers des journées qui s'écoulent. C'est sans l'humain, sans l'amitié, ce serait un petit peu vide de sens.